Salut les archéo-joueurs, salut les archéo-joueuses, bienvenue dans ce Canap Week en direct du Festival international des Jeux de Cannes 2015. Et pour nous accompagner dans cette petite demi-heure, on a l'équipe, mais alors normalement ce n'était pas vraiment l'équipe, alors on va faire les présentations, mais il y a déjà Olivier, auteur, éditeur que vous avez pu voir dans la Trick Track TV, d'archéologia, on peut le dire comme ça, bien prononcé, super, impeccable. Super. Ce petit jeu d'archéologie en 3D, parce qu'on va vraiment fouiller, on va vraiment creuser dans les différentes strates pour remonter les objets archéologiques et éventuellement, au lieu d'aller au marché noir, les ramener au musée pour gagner un maximum de points de victoire. C'est bon là, hein? Parfait. Impeccable. Parfait. Merci. Et on a aussi avec nous Jérémy. Mais alors Jérémy, on l'a vu dans une précédente Trick Track Télé live du Canap Week, mais tu étais avec Sofa Games. Tout à fait, avec Jonathan Bizet pour la rédaction de sa nouvelle gamme de jeux. Alors, comment se fait-il que on est Olivier et Jérémy sur le même canapé? Expliquez-nous ça. Alors le mystère est facile en fait. Jérémy qui est correcteur rédacteur de règles, a corrigé les règles d'archéologia et donc les règles aussi de Sofa Games quoi. D'accord. Voilà. Mais par contre, tu as ta maison d'édition, celle que tu as fondée pour Archaeologia, et Sofa Games, c'est juste que du coup, il y a échange de bons procédés. C'est le côté mercenaire. Exactement, ouais. Non, c'est pas le côté gentil en fait, c'est le côté mercenaire, attention, ça dégaine. Alors du coup, bienvenue, je crois que c'est la première fois où tu as droit au Canap Week de oui, Trick Track. Première fois. Ouais. Hein, première fois. Plaisir d'ailleurs. Comment se passe ce festival? Bah écoute, c'est super, il y a du monde, on travaille bien, les gens sont super agréables, les gens sont super contents. Ils sont ouverts, envie de jouer? Exactement, il y a une belle émulation. C'est très fatigant parce que c'est. Ça enchaîne. Ça n'arrête pas, c'est une journée continue d'un week-end en fait. Du coup. Il y a le off, il y a les festivités, il y a le in, il y a un peu tout. Il y a le in, le out, le off. Il y a tout. Tu sais plus trop où t'en es. Tu sais plus si t'as vu les gens hier ou aujourd'hui. Ouais. Et c'est le jour ou la nuit. Voilà, tu sais plus rien. Donc c'est quand même assez sympa. On passe un vrai bon moment. D'accord. Juste pour me redonner un petit peu un élément temporel, est-ce que c'est ton premier festival de Cannes avec Archaeologia? Alors en tant qu'éditeur et avec un produit édité, ouais. D'accord. Sinon, c'est la troisième fois que je fais le festival. Les deux premières fois, j'étais venu à présenter le prototype du jeu. Oui. L'an dernier, j'étais venu aussi présenter plus la préparation de l'édition du jeu. Et cette année, j'arrive avec le produit édité. Tu as ton stand, tu as les boîtes. On a le stand, on a les boîtes. Tu as le squelette du... On a le merveilleux squelette des dinos, de T-Rex. En quasi grandeur nature, bon peut-être pas complètement, ou alors c'est un bébé T-Rex. Un bébé T-Rex, on va le dire. Mais ouais, c'est cool, ouais. Alors du coup, je l'ai avec moi parce que la petite particularité, parce que maintenant, ça y est, Archaeologia, vous commencez à remettre, et n'hésitez pas à retrouver la Trick Track Télé dont il est question, mais la petite activité particulière pour Cannes, même si c'était un petit peu disponible avant Cannes, me semble-t-il, ouais. Ce sont les goodies, goodies Archaeologia. Ouais. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, je vais vous les montrer. 11 nouvelles tuiles avec différents âges. Voilà, exactement. Tous présents, tous les trois âges possibles. Donc, il n'y a pas de nouveaux dinosaures, mais y a les pas trois de nouveaux premières exactement. Sont possibles. Après, c'est plus des tuiles collector rigolotes qui font référence au milieu du jeu. Alors, tu as fait un énorme clin d'œil et on t'en remercie puisqu'on a le Puikos fossilisé, on a le bronze Monsieur Fall, je me trouve dans le mauvais sens, pardon, on a le bronze Monsieur Fall. Et on a, ça lui va très très bien, le Bouddha Mops qui est juste ici, le Bouddha Mops. Donc, trois goodies que tu as eu, je ne peux pas dire autrement que la grande bonté de nous apporter pour la boutique à goodies. Bah écoute, c'est notre petite contribution, aussi minime soit-elle. Non, il n'y a pas de raison, c'est une vraie contribution. Mais là, dans le set complet, il y a aussi les autres tuiles. Alors là où c'est très drôle, c'est qu'on a le crâne de cristal. Ouais, il y a les goodies. On a le crâne de cristal qui est là. On a le fossile de Cthulhu. Exactement. Mais je ne savais pas que c'était un grand ancien à ce point-là. Ah si. Ah pardon pour la lumière, je vais essayer de me décaler un tout petit peu. Et puis on a un fossile, un bras bionique. Alors lui, il arrive d'où lui? On ne sait pas trop. Il s'est réincarné. C'est un mystère, c'est ça. Du futur. Il est à l'étude.
Il est revenu dans le passé, il s'est planté et en plein dans la roche, tant pis pour lui. Peut-être un météore. Alors, qui s'est écrasé. Il n'y a pas que cela, il y a aussi la statue Moai, la pierre sacrée, l'arc pariétal avec l'archichouette, voilà. Et l'idole. Alors ceux-là sont, là pour le coup, plus historiques. Ouais. Après, le triplé, l'idole, la pierre sacrée et le crâne de cristal, c'est un clin d'œil à Indiana Jones, oui, on va dire. D'accord. Du coup, c'est contrairement aux autres collections, oui, qui sont chacune dans une strate spécifique. Oui. Celle-ci, on en a une dans chaque strate. Bah oui, il est un peu partout, cet aventurier. Exactement, au chapeau, voilà. Et au fouet. Alors du coup, juste pour le préciser, peut-être que tous les internotateurs archéologistes et archéologiennes ne le savent pas, comment est-ce qu'on peut les intégrer? Peux-tu nous donner la petite Après, recette pour les intégrer dans le jeu? Pour les intégrer, il faut exclure certaines tuiles. C'est ça. Et intégrer celle-ci à la place. Alors, voilà. Est-ce que tu conseilles d'enlever les tuiles par famille pour éviter de défaire une famille, ou non, tu fais carrément au hasard et puis on verra bien ce qui se passe? Dans le jeu, il y a beaucoup de tuiles simples aussi. Oui. Donc, c'est pour tout ce qui est tuiles simples, c'est plus sympa de retirer. On enlève celle-là. Et mettre des tuiles à la place. Il suffit juste de respecter les strates. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut respecter le nombre de strates. La famille aventure, donc oui. Chapeau et le fouet, on peut retirer une tuile simple dans chaque strat. Et là, ça nous refait à nouveau les trois. Donc voilà. Ça, c'est l'actuel. C'est l'actuel pour Old Casa Game. Maintenant, si on parlait un petit peu, alors je ne sais pas si tu as envie, est-ce que tu me permets de commencer à en parler, parce qu'il y a un petit peu du futur là. On commence à entrevoir un petit peu le futur, ouais. Il y a un petit prototype qui se dévoile, il y a d'autres prototypes qui sont en train de se préparer aussi. Ouais. Et effectivement, on a lancé 2-3 photos sur un petit projet qui est en train de se développer. Voilà. Il a un nom de code? Non. Il est sur les photos. Le projet pour l'instant s'appelle l'île des pas perdus. D'accord. Voilà, donc c'est, il va falloir que je me penche. Je vais essayer de ne pas trop me perdre, mais j'aimerais bien m'y pencher. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que c'est un jeu dont tu es à nouveau l'auteur? Je suis à nouveau l'auteur, ouais, effectivement. On a d'autres projets avec des auteurs différents qui travaillent sur des projets plutôt sympas aussi. Et après, tout va dépendre de l'année 2015, de la manière dont on va développer l'entreprise. D'accord. Et de la manière dont on va réussir à toucher la distribution étrangère, ce qui est notre point de viabilité. Actuellement, il y a besoin de ça pour pouvoir entamer correctement. Effectivement, la je pense que si on trouve la distribution à l'étranger, on va pouvoir devenir vraiment viable et envisager de développer une gamme de jeux, parce qu'on a un prototype qui restera dans la gamme d'Archéologia. Oui. On a des idées d'extension et des nouveaux jeux aussi qui seront une autre gamme, mais aussi sympathiques, qui seront vraiment basés sur un visuel en fait. D'accord. Et du coup, Jérémy, a priori, tu, en tant que mercenaire, interviendras à nouveau pour… Voilà. Je ferai encore avec plaisir de la traduction ardéchois français. Oui, il y a besoin. Il y a besoin pour qu'on puisse avoir accès à tous ces très tout bons à fait. Jeux. Alors, on va mettre maintenant… on en est jour 2, J2, on va mettre un petit peu de côté le côté game. Et puis, on va repartir un petit peu vers vous en tant que joueur, en tant que perso. Alors, cette sélection, ces prix, un avis? Ah, sur les prix? Ouais. Écoute, moi, j'ai été super heureux pour l'Asdor de Colt Express, ouais, et pour l'Asdor de Gigamond. Gigamond, c'est une petite entreprise qui remporte un Asdor. Je trouve que c'est très, très, très bien pour eux. Le jeu est excellent. Et j'ai été très content pour que ce soit eux qui importent l'Asdor. Colt Express, on ne le présente pas, c'est un jeu, ouais, super jeu avec une innovation en 3D, ouais. Les Ludonauts, une équipe super sympa, pareil, à dimension humaine et qui vraiment touche, je pense, les joueurs au-delà de leur jeu, touche les joueurs dans leur manière de faire. Ouais. Est-ce que sur le stand, les joueurs que tu accueilles, alors, on sait a priori que le public Festival International des Jeux de Cannes est plutôt familial, on va dire. Tu arrives à avoir tous les niveaux de joueurs? Écoute, ouais, parce que le jeu s'y prête en fait. Donc, c'est un jeu qui touche toute une catégorie de joueurs. Donc, on peut jouer quand on est plutôt enfant, il y a des petits-enfants qui jouent. Il y a des adultes qui jouent, il y a des adultes gamers qui jouent parce que le jeu propose, enfin c'est pas qu'il propose, mais on peut jouer quand on est gros joueur, on peut trouver son plaisir parce qu'il y a moyen de comboter. Mmh. Ça touche un petit peu tous les joueurs, donc c'est vrai qu'on a tout style de joueurs qui viennent dans notre stand, des débutants, des joueurs
qui sont plutôt familles, d'autres qui ont envie de trouver un jeu pas trop compliqué, et puis des gamers qui arrivent à trouver une manière de jouer. Bon, enfin, le jeu propose des possibilités de jeu ouvertes à tout le monde. Quoi. D'accord. Tout le monde y trouve son plaisir. Est-ce qu'on peut dire que le jeu, du coup, a trouvé son public ? Ça y est, tu en es à combien, tu sais à combien d'exemplaires de boîtes placées ? Alors là, on va arriver à dépasser les 5000 boîtes vendues. Oui, donc on commence à parler d'un jeu qui a trouvé son public, clairement. Bah, je sais pas a priori, que, je oui. sais pas que dire, mais c'est vrai que bon, bah, voilà, là, depuis juin, on a édité la première édition. Et, bon, bah, là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça fait quelques mois qu'on a sorti le jeu. Vu la taille de notre entreprise et notre manière, nos moyens de communication et tout, c'est vrai que je trouve que ça s'est plutôt bien déroulé. C'est plutôt une bonne, bah oui, c'est voilà. plutôt une bonne histoire. Vas-y, pardon. C'est un jeu qui marche beaucoup du bouche à l'oreille. En fait. Il y a beaucoup de gens qui le découvrent chez d'autres gens, qui se le font conseiller et qui l'apprécient après en le découvrant soit sur des stands, soit chez des petits revendeurs qui, faut pas l'oublier, permettent vraiment de diffuser un jeu. Oui. Donc c'est vrai que c'est voilà, donc petit à petit, il trouve sa place, je dirais. Et, bah, après, on verra en 2015 s'il n'y a pas une rupture tout de suite, si on a touché vraiment tout le public. Et puis que, ouais. Bon, voilà, après, on verra bien, c'est l'aventure, c'est l'envie. L'envie de continuer, mais après on verra bien comment ça se passe. Quoi. Alors ça en fait une belle histoire quand même, parce qu'il faut le rappeler, Olivier, avec All Casa Game, tu as choisi de faire une fabrication locale. Ouais. Donc voilà, il y a un imprimeur, on dit comment, un cartonnier je crois. Ouais, cartonnier imprimeur qui a en France, à côté de chez toi, en tout cas suffisamment près pour que tu puisses y aller à imprimer toutes les planches. Tu as même fait un petit film pour montrer des images et tout. On en a parlé aussi précédemment parce que c'est une réussite au sens où la boîte contient un matériel conséquent, de qualité. Et au final, alors que très souvent l'argument principal qui est le coût de fabrication par rapport à ce qui peut être proposé en Chine ou en France, au final le prix d'Archéologia, on peut le dire, reste complètement adapté à la boîte, à ce qu'il y a dedans. C'est même, waouh. On a envie de dire, tiens, si la fabrication a été faite en France, on s'attend à ce que ce soit donc un peu plus cher, voire beaucoup plus cher. Et donc, du coup, le prix du jeu aurait peut-être pu exploser. Mais non, finalement, vous avez réussi ou décidé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, à le maintenir, à ce qui permet au jeu ensuite d'en faire un prix abordable. Ouais, bah écoute, c'était surtout le... Effectivement, il y avait une envie de garder un prix très accessible, parce que c'est vrai que vu le matos et tout, c'est un jeu qu'on aurait pu vendre un petit peu plus cher. J'avais envie vraiment qu'il soit accessible à beaucoup de monde. Et oui, c'est sûr que le prix de fabrication est beaucoup plus élevé en France. Après, c'est juste un choix de gavage ou de surgavage de l'édition. Donc, nous, on part sur un principe que voilà, on a accepté de prendre un petit risque et de pas gagner forcément énormément sur l'édition et la diffusion. Donc effectivement, après, est-ce que c'est un choix judicieux? Est-ce que ça va perdurer? Est-ce que l'entreprise restera viable? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est l'avenir, les joueurs. Les joueurs surtout. Et on verra bien. Après, c'est vrai que c'était un choix. Donc c'est vrai que c'est un choix éditorial. On a décidé de ne pas faire une grosse marge, de permettre aux gens de l'acheter sans trop se ruiner, d'avoir envie de l'acheter aussi. Parce que c'est vrai que des jeux qui coûtent 45 ou 50 euros, pour des familles, c'est souvent compliqué, à l'heure actuelle, quoi, en plus. Donc c'est vrai qu'on avait envie de ça, quoi, de proposer un jeu accessible et de le faire fabriquer donc localement. On a réussi à concilier les deux en écrasant notre part. Écrasant, bah oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que du côté, dans le... Alors, tu disais mercenaire, mais bon, c'est pas... Peu importe. Est-ce que pour toi, Jérémy, ce choix, cette philosophie derrière, par rapport aussi bien à Sofa Game que toi personnellement, ça fait partie des motivations qui fait... même un mercenaire au cœur tendre, mais moi j'irai, je continue. Oui, mais complètement, ça a été l'un des arguments pour suivre Grob dans cette aventure-là. C'est clair, la qualité du matériel, le fait que ça soit 100% français. Bon, je suis désolé, mon polo France est sale, hein, donc je n'allais pas le mettre pendant les trois jours. Mais voilà, c'était l'un des gros arguments, donc c'est pour ça que je l'ai suivi.
Après, c'est vrai que faut pas oublier que cette aventure, elle a été aussi suivie par beaucoup de gens qui ont, comme Jérémy ou tous les potes qui m'entourent, ouais. qui nous aident. Quoi. Il y a énormément de bénévolat et d'aide. Quoi. Et c'est parce que le projet les a motivés, parce que l'envie, et c'est vrai. Et tout ça, faut pas l'oublier, parce que c'est, oui, c'est sans toute cette aide et ce soutien des potes, surtout des potes proches et des gens comme Jérémy qui sont rentrés dans le projet et qui ont soutenu le truc de par leurs compétences, leur envie et puis leur envie aussi de leur humanisme, quoi, de ouais. soutenir un truc comme ça. C'est ce qui fait que le projet a réussi à aboutir et continue à se développer. Est-ce que tu m'autorises? Non, alors je vais m'autoriser à poser la question. Tu me diras que non, c'est pas la peine d'y répondre ou pas. Est-ce qu'on peut donner, ou au moins en tout cas un ordre de grandeur sur ce que coûte, alors grosso oui, modo, ouais, une boîte soucis, ouais. d'archéologia, est-ce qu'elle aurait pu coûter si ça avait été délocalisé au moins cher? Bah, écoute, il n'y a aucun souci. Moi, depuis le début de la création du jeu, je n'ai jamais fait de cachoterie là-dessus. J'ai toujours une transparence. C'est vrai que moi, les devis, en gros, les devis asiatiques, les boîtes, c'était à peu près dans les 4 dollars. Après, ça dépend le nombre. Dans les combien, pardon? Dans les 4 dollars. 4 dollars. Et 4 dollars, mais le total. Oui, le boîte intérieure, voilà, fermée, blisterisée, hop là. Exactement. D'accord. Et la boîte fabriquée en France, on l'a fait, elle sort à 7 euros. À 7 euros. À 7 euros. Donc, c'est du simple au double. C'est, hein. c'est du simple au double. Voilà. Alors après, est-ce que dans les 4 dollars est compté le prix du oui, transport? C'était ah oui, c'est du vraiment tout donc compris, c'est 4 dollars livrés. Waouh. Wow. Ah oui, ouais. Donc ça fait une énorme après, différence. Bon, voilà, après, il y a forcément, c'est sûr que ça fait une différence qui est énorme. Ouais. Et qui, voilà, bon, après, c'est juste un choix. Quoi. Ouais, non, mais on en a déjà parlé. Après, c'est vrai que c'est... je n'ai rien contre... Il y a toutes les entrées des cartons du travail, il y a des superbes jeux qui viennent d'Asie, d'Allemagne, de partout. Quoi. Après, moi, c'est vraiment, j'avais envie de faire ce jeu de manière locale, quoi, et je voulais le faire fabriquer en France. Et qui plus est, on a eu la chance de pouvoir le faire localement, donc c'est encore mieux. Et voilà, quoi, donc il y a... Cool, hein. Plutôt cool. Cool, ouais. Yes. On va reprendre un tout petit peu sur... Tu parlais de l'année 2015, ce ouais. qui va se passer autour de aussi bien, alors de façon globale, Old Casa Game, mais particulièrement Archaeologia qui est le premier jeu, c'est-à-dire la distribution, mais plus que ça encore, la distribution internationale. Là, actuellement, ouais. tu t'auto-distribues, en tout cas, tu avais commencé en auto-distribution, ça en est où maintenant? Bah, écoute, en fait, c'est depuis le début, le jeu, il est distribué par Paille. D'accord, pardon, donc, je pensais niveau, que tu l'avais voilà. commencé tout seul, d'accord, au pardon. Niveau, au niveau français, c'est pas qui distribue. Ouais. Après, moi, je fais de la distribution aussi locale, je m'occupe beaucoup. Le jeu, il y a beaucoup de musées, de grottes qui ont envie de l'avoir, donc ça, je m'en occupe. Super. Et après, il y a Marcus de l'entrejeu qui nous distribue en Belgique, okay. suite au Bruxelles Festival Game, où on s'est rencontrés. Comme quoi, et encore une rencontre. Voilà, en fait, je m'aperçois que c'est finalement fait de rencontre, tout ça. Ouais. Et voilà, donc on discute aussi, là on a trouvé des distributeurs, quelques distributeurs étrangers, donc certainement on va distribuer au Canada, en Pologne, et en Pologne, mais voilà. Du coup j'ai quelques contacts. Après c'est vrai que nous on aimerait pouvoir toucher la distribution l'Allemagne, USA. L'Espagne. Non? Bah si, pourquoi pas? Si, pourquoi pas, mais je refuse pas, après c'est... voilà, après il faut... oui, carrément, si je peux distribuer ça, c'est... Est-ce qu'il y a risque? J'en sais rien, j'imagine que non, parce que c'est forcément à toi que revient la décision finale. Tu nous as montré que tu la prendrais avec toute la logique de ce qui a déjà été fait dans cette décision. Mais est-ce qu'un éditeur qui te dit « oui, on va prendre Archaeologia en distribution, mais par contre, pour pouvoir continuer de marger patati patata, il va falloir fabriquer à tel endroit », tu vas faire quoi? Tu vas faire « boum, droit de veto, moi je veux pas ». Exactement. Donc, non, mais c'est vrai, donc, pour l'instant, la logique, on va rester dans la ligne éditoriale, c'est-à-dire le but ça va être d'essayer de continuer à le faire fabriquer en France et trouver des distributeurs qui sont sensibilisés à ce projet et qui vont essayer de nous distribuer. Après il y a un autre processus qui peut-être sur lequel on réfléchit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire pour pareil, pour que ça reste dans un principe d'éco-fabrication, oui. voir si pour économiser tous les frais de transport, oui. essayer de voir si
ne l'aurait pas faire en local sur place les jeux. Oui. Donc ça pourrait être une autre solution. Exact. Après, c'est à voir. On peut, il y a encore des choses à inventer. Il faut voir. Après, certainement. Après, nous, on a besoin, comme l'entreprise est naissante. Oui. Après, je suis novice dans le truc aussi, donc je ne suis pas encore calé sur l'international. Mais en gros, l'idée, ce serait d'arriver à fédérer quelques pays pour faire un tirage, un petit tirage commun en France pour arriver, nous, à avoir une trésorerie. Oui, bien sûr. Pouvoir continuer. C'est la vie. L'argent n'est pas forcément sale. Voilà, et puis fournir les pays avec le jeu. Voilà. Alors, juste pour le transmettre, on a monsieur J.D. Polo qui vous félicite en tout cas de n'avoir pas succombé à la tentation de la fabrication en Chine. On a aussi monsieur Pierre Jeux, je ne sais pas si je le dis bien, monsieur Pierre Jeux 77 qui insiste aussi, rien que pour le fait que ce soit un jeu fait en France, je l'ai acheté, félicitations. Voilà, c'est aussi le moment d'en profiter. On a ce live là, on a ce contact avec ceux qui nous regardent en direct. Et ben voilà, je vous les transmets. Il y a des félicitations. Bah écoute, c'est vrai que c'est ça super, fait du bien. Ça fait du bien au cœur. Donc autant en profiter, c'est gratuit. C'est le jour des fleurs. Tiens, voilà un petit bouquet. Tu disais novice. Dernière question. Et d'ailleurs, je pourrais aussi vous la poser à tous les deux au final. Novice, ok. Comment vous sentez actuellement l'évolution du monde du jeu qui, quelque part, est en train de se professionnaliser de plus en plus, peut-être aussi se commercialiser de plus en plus vous le sentez comment et vous le vivez comment? Très bonne question. Écoute, moi, le monde du jeu, pour moi, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une professionnalisation, on sent qu'il y a des budgets de plus en plus importants, on sent un petit peu ça, il y a l'effet médiatique, l'effet internet qui s'est mélangé à tout ça, le buzz qui se met là-dedans, et tout le marketing qui fait que petit à petit, bon, ben, forcément, les moyens de vente se transforment. Est-ce bien, est-ce pas bien? Je ne mettrai pas de jugement là-dessus parce d'accord. que tout le monde y trouve son compte. Ouais. C'est des outils qui permettent de faire ça. Après, chacun, comme tu dis, essaie de tirer son épingle du jeu. Quoi. Après, moi, j'essaye cette technique voilà, parce que c'est quelque chose que je trouve pour moi important et qui colle bien à notre image, à notre envie. Après, je n'ai pas assez de recul. Moi, je n'ai pas fait d'école de marketing ou tout comme ça. Je peux pas te dire si vraiment ça va être viable. Si ça... ouais. Peut-être il y a des gens qui m'ont dit que ça serait pas viable, il y en a d'autres qui me soutiennent, qui pensent que ça va y aller, que c'est bon, qu'il faut y aller. Moi j'y crois, on y croit, on y va, on y va tranquille. Quoi, voilà. On voit que ça se développe aux deux extrêmes aussi, parce que d'un côté, des jeunes auteurs qui se développent via le crowdfunding, mais en gardant la tête sur les épaules, comme l'avait dit Jonathan, parce que c'est pas évident non plus, il faut être solide. Arrive à se développer, à rentrer dans ce jeu-là. Et à l'autre extrémité, on voit en grande distribution des jeux dont il n'était absolument pas question avant. Voilà. Oui, donc. Oui, alors, c'est bien. Je vais tenter de le prendre en presque quasiment mot de la fin. Entre ce que Jérémy vient de dire, ce qu'Olivier tu dis, c'est que au final, il y a des nouveaux outils, des outils qui se développent, des outils qui sont créés, des réflexions qui sont posées, il y a des sensibilisations à faire. Les outils, c'est comme tout. Finalement, c'est la façon dont on va les utiliser qui est plus importante, entre guillemets, que l'outil lui-même. C'est la finalité. Alors, ça fait peut-être un peu philosophie de comptoir, une fois encore, je n'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est ce que ça m'inspire. Ouais, ouais. Les outils, c'est fait pour être utilisés, mais c'est la façon dont on va finalement les utiliser et pour quel objectif, au final, que ça a une importance. Et bien voilà, moi, je trouve que là, on vient de faire un petit tour au-delà même de Jérémy, Olivier, Guillaume, au-delà même d'Archéologia, de Casa Game. Un petit truc un petit peu philo. Vous avez 2 heures pour rendre la copie. On attend vos suggestions, on attend vos questions. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Peut-être rendez-vous l'année prochaine. Et c'est toi qui corrige les copies. C'est Jérémy qui corrige les copies. Donc ça va sacher, ça va saquer sévère. Je vais en boire un petit coup de saké parce que sinon je ne finirai pas. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci Olivier, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Venu sur notre Canapwick Trick Track Télé. Et puis bonne continuation à vous. On leur dit à eux de jouer. Ouais, bah, écoutez, à vous de jouer les gars. Salut. Merci et merci pour tout. Yes, ma'am.